Le verre est ouvert. La menace invisible. Le dernier de la race des Zoulous. Désormais, le Shaka Zoulou, DJ Manu Killer. La voix métal charmée. Affaire à suivre. Les gars. Ce soir, bonsoir, mes warriors. Ce soir, c'est spécial zoo. Donc, monsieur Bendeka entre dans notre zoo aujourd'hui. Allô. Donc, trouvez-lui un nom qui va à monsieur Bendeka parce qu'il entre au zoo aujourd'hui. Oui, il entre au zoo. Mettez les cœurs ici, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, si les talibans sont là, mettez les cœurs. Pas abuser des anciens succès parce que c'est une page où on fait la publicité, donc ça appartient à quelqu'un. Tu as fini là? Bon, mes chers warriors, là il est à 21h11, donc j'ai quitté ici à 22h. Donc j'ai décidé de mettre monsieur Bendeka dans notre zoo. Parce que il y a des choses qui se passent ici à Facebook. Il y a des gens qui ont décidé d'envahir la toile avec la politique nauséabonde. Les gens attaquent les gens parce qu'ils ne sont pas allés, qu'ils ne les soutiennent pas. Mais c'est pas obligé. Tous les artistes ne sont pas obligés de soutenir votre cause perdue d'avance. Tous les artistes ne sont pas obligés. Si certains artistes déchus du Cameroun, se révoltent maintenant contre leur peuple. C'est leur problème. Hein? Celui-là, excusez-moi. Le mari de Chata ici, là, il s'appelait comment? Celui-là qui avait insulté la dernière fois là. Mais il n'était pas député chez Paul-Bia là-bas. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il est parti. Il tourne la veste. Mais il y a plein de choses comme ça. Nous tous sommes de changement. Mais votre pas de changement là dans la force, la haine. Vous êtes la dictateur, c'est une dictature ou quoi? Tout le monde choisit qui il veut. Ici en France, nous vivons avec des gens qui ne nous aiment pas. Hein? Marie Le Pen, ici, là, montre pour que tu là. Avec sa famille, elle ne s'appelle plus Le Pen. Elle a changé son nom. Hein? Ah bon? Elle dit qu'on ne l'appelle plus comme ça. Elle vit ici avec son père dictateur. Bon, je ne sais pas, elle a notre nom. Et ici, on vit avec, nous tous on vit ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on y est qu'au Cameroun qu'on va obliger les gens à aller dans une idéologie mensongère. Je ne sais pas vous. Je ne sais pas ce que vous prenez. C'est vos crânes là que vous, je ne sais pas. Nous, on est fatigué, hein. Romain Dika. Oui. On est fatigué. Le notre père, Padre Bendeka, où il a fait quoi là-bas au Cameroun? Maintenant, il prenait maintenant ça pour mettre sur les réseaux sociaux que, ouais, comme apparemment, il venait faire des concerts ici à Paris, il ne faut pas que les gens soient là, ils vont boycotter. Eh bien, dis non. Tout pour vous, c'est la force. Tout pour vous, c'est les boycotts. C'est quoi? Est-ce que nous, on a boycotté votre grande soirée de Valérie Djoumtaya au Zénith? On n'a pas boycotté au Zénith? Non. Au contraire, on a applaudi parce que c'est le Cameroun qui gagne. Même si c'était, même quand c'était un meeting, parce que là, franchement, c'était la basque. Vous comprenez?
Mais c'est quoi? Maintenant, c'est que Loulou a fait l'erreur. Loulou s'était filmé avec Bendeka et tout. On l'agresse. C'est quoi? Tout pour vous, c'est aller attendre les gens dans les... Moi, je prends que la brassière. On ne vous a... Les gardes, les gens ne vous ont pas encore bien tapé. Les gens ne vous ont pas encore bien montré que... ils existaient. C'est à cause de vous, votre comportement là. C'est vous qui allez faire que... Même si vous faites comme vous, même quelqu'un, un bambier, qu'on va être de votre part. Il n'y a pas qu'un... C'est au Cameroun, hein. On est au bambier qui passe au président, on va être de votre part. Est-ce qu'il n'y a que deux ethnies, les bétis et les bambiers au Cameroun? Les doigts même vont aller où? Mais c'est quoi ce problème? Que je ne comprends pas. Les Yambassa. Les Yambassa. Les Banen. Tout ce monde-là. Les Bamenda. Alors, eux-mêmes sont là perdus maintenant. Avec leur histoire de Nozo. Je ne comprends même pas. Hein? Au Cameroun, on est en train de former un nouveau président au Cameroun devant vos yeux. Vous-même, vous voyez. Mais vous ne dites pas. Vous voulez seulement le babadage. Ah, franchement. C'est juste n'importe quoi. Votre vieux Bendeka vous a fait quoi? Hein? Vous avez appris celui qui chante là, le moribond là qu'on appelle, qui chante à l'Ofoku. Allez avec nous là-bas chez Foku. Mais c'est quoi? Hein? Quand Richard Bona mangeait l'argent de l'État, vous étiez là. Romain Dika mangeait l'argent de l'État, vous étiez là. Maintenant qu'on les a interdits de Cameroun, on a fait certaines choses que machin, tout. On a coupé les ponts, il n'y a plus l'argent, on ne verse plus l'argent. Vous répétez de quoi? Vous tous là, vous avez mangé. Nous les pauvres, on peut dire les primitifs comme nous, on a eu quoi dans vos histoires là? Nous on veut la paix et le changement au Cameroun. Arrêtez de faire que maintenant c'est qu'on va boycotter, vous boycottez quoi? Arrêtez un peu. Et ceci j'appelle Niat et son frère Kamouaké. Vous deux, on est déjà fatigué de vous deux à Facebook. On est déjà fatigué de vous. Niat, maintenant tu sors. Tu sors maintenant pour venir parler quoi? Il faut boycotter quoi? Donc maintenant tu te filmes avec un artiste, tu viens maintenant parler. Niat, il faut changer. Il faut changer. Moi je ne veux pas les problèmes avec toi. Arrête un peu. Toi et ton frère là qui je ne sais même pas. Mais c'est juste n'importe quoi. Vous allez bavader. Allez au Cameroun, on voit. Allez faire ça au Cameroun, arrêtez de laisser les gens tranquilles. Vous voulez qu'on parle de vous sur la toile? Celle la lesbienne, la, comment on appelle, la baronne. Tu n'es plus avec Petit Piment, là, Petit Piment. Le chanteur, là, ton ami, là, qui est venu chanter, il écoute si. N'est-ce pas, apparemment, tu es Bamileke? Pourquoi tu n'as pas demandé à ton ami, Petit Piment, là, de chanter en Bamileke le mangabe? Hein? N'est-ce pas, tu es la productrice de Katino? Mais quel est ce réveil là? Tu sors d'où? Il y a des gens qui dorment ici dans les réseaux sociaux, le jour au lendemain, ils renaissent. Parce que moi, je ne vois pas le problème là maintenant. Hein? Vous êtes alors venir à Paris, vous êtes venir dans votre zénith, vous avez gagné. Partez alors laisser les autres artistes tranquilles. Hein? Les matins, tout le monde peut sortir sa machette, hein? Tout le monde peut sortir la machette parce que toi, la baronne là, je ne sais pas quoi là. Je ne sais pas combien de temps tu n'es pas allé au Cameroun, parce que ça fait longtemps, moi je ne te suis même pas déjà. La dernière fois que je t'ai vu, j'étais croisé, j'étais au couloir. Quand tu avais giflé Katino, j'étais là. Ah, tu étais là. Mais j'étais là, le truc de Dieu éternel. Mais tu m'avais pas vu, j'étais là. Bah, je t'ai vu à l'époque, je ne te connaissais pas. J'étais là. Au couloir comme ça, parce que moi j'avais préparé le jour là, on avait plus la dame, quand on mangeait et tout ça. On devait nous maquiller, tout là, je suis habillé avec la robe noire là. Elle a giflé Katino, n'importe devant moi. Elle était avec une petite fille. Katino était avec une petite fille. Je vois qu'elle était. Et moi, j'arrive à la nourriture. Je dis, ah, qui est? Le jour là, il y avait la reine galloise qui était là, qui avait faim. Parce que là où elle disait que ma faugée, faim, machin, tout. Oui, et tout. C'est moi qui ai appris, qui parle la main. Oui, je ne connais pas les gens du Canada. Moi, je parle les gens. Laisse-moi parler. Moi, je parle pas des gens comme ça. Oui. Il y avait Nathalie Babalé qui était là. Mais ils étaient là dans leur coin. Ils ont abandonné la reine galloise. C'est moi qui ai appelé la reine galloise que viens avec moi, j'ai pris une chambre d'hôtel ici. À l'époque, j'étais avec mon autre premier ministre qu'on appelle Dev Julien Dev. Hein? Vous comprenez? C'est comme ça que je prends Katino.
Et quand tu ne crées pas, j'ai dit la parole, tu as giflé quand tu ne devant mon âme. J'ai dit que quand tu ne crées pas, tu connais que moi j'étais à sous, dit que rang non. Quand tu n'as pas rendu, elle est restée tranquille. Ce n'était pas devant toi, nous on était au couloir de l'hôtel. Mais tu n'avais pas vu quand la gifle est passée, c'est moi qui avais vu et je témoigne ici de la violence de la femme là. Oui, c'est pour ça que je laisse la reine galoise en bas. J'ai dit que monte avec mon hôtel, elle dit que non, elle attend, elle a faim. J'ai dit que tu as faim, je m'appelle, non, je descends, je prends. C'est moi qui ai maquillé Catherine le jour là, parce que je ne voulais même pas. Parce qu'elle avait été fâchée que donc tu viens au conseil à Paris sans me dire. J'ai dit que la gifle que la donnée à Catherine, non, boum, j'ai dit que merde. J'ai dit Catherine, défends-toi. Tu me connais, non. J'ai compris qu'il y a une histoire entre eux, c'est tranquille. D'accord. J'ai pris les deux là, on a maquillé Catherine, elle a chanté le jour là, chez Dieu éternel, et j'ai maquillé aussi la reine galloise. J'ai donné la nourriture à la reine galloise. Tout le monde a mangé, parce que j'avais préparé à l'hôtel, tout le monde a mangé. Après, on s'est retrouvés de tout ça à la soirée. Tu comprends? Votre violence que vous avez là, moi je n'accepte pas ce genre de violence. Vous comprenez, non? Toi maintenant, tu sors d'où? Hein? Je me rends compte que tu es tribaliste. La baronne, c'est la bouche qui te parle. Hein. Tu es tribaliste. Mais c'est quoi ce problème? C'est quoi? Hein? Non, mais c'est les histoires de Facebook. Hein? Attends, on est fatigué. Tous les jours, tu coupes, tu mets les tu des Romeo Dika là ou des Romeo Dika, et tous les autres artistes. C'est quoi ton problème? Ton rôle, c'est quoi? Tu es manager de qui? Tu as chanté où? Tu as managé qui? À part Katine, qui venait souvent en Suisse à l'époque. Il faut arrêter. Hein? Non. Mais hein? Moi, je ne savais pas que toi, tu es parti à la brasse. Hein? Vous n'aimez pas les boules, vous n'aimez pas les bêtises, mais vous êtes toujours là avec nous, c'est quoi? Et pourquoi vous n'aimez pas, il faut que vous ne les aimez pas. Ne pas cacher de ta personne. Tu l'aimes alors pourquoi? Madame, une personne qui ne t'aime pas te dit que je ne t'aime pas. Oui. Madame, quand tu as fait chanter Petit Piment, tu as fait chanter en quel pas toi? La baronne. Tu as fait chanter Petit Piment à le Bikoussi, vrai ou faux? Pourquoi tu n'as pas fait chanter Petit Piment, le mangabeu? Petit Piment, il est parenté. En blanc. Ah. Quand tu ne connais pas les choses, tu te tais. Hein? Je pensais que tu disais le Petit Piment qui apparaît là. Je fous quoi avec le Petit Piment? Je te parlais de vraies choses, tu me parles de Petit Piment, machin, tout. Non, il pensait que tu... C'est un blanc. Ce n'est pas le Petit Piment et tout ça. Dites-moi, laissez faire mes choses. Moi, je n'aime pas quand je ne m'interromps plus. Ouais, pas les vrais, je que les gens ne connaissent pas les réseaux sociaux, je me parle de quoi? La diva princesse, veuve joyeuse, la bah, bon, dans la maison. Mais attends, on est fatigué. Mais le tribalisme est ressorti dans les réseaux sociaux. J'aime bien ta coupe. Hein? J'aime bien, on t'a un peu teinté, hein? Ça, là, ça fait glamour. Le tribalisme est revenu dans les réseaux sociaux. Ça fait glamour, là. Hé, hey, va chez toi, tu te tais, d'accord? Non, non, ça va me semble, c'est semblable. Bah non, je dis non. Tu me laisses parler. Voilà. Parce que tu as mangé là, je ne t'ai pas interrompu. Hein. Merci, chérie. Alors, tu me laisses finir mes choses. Tu es mon bébé, non. J'ai dit que tais-toi. Tu es mon bébé. Tais-toi, je t'ai dit. Okay. Si tu ne te tais pas, ça va mal se finir. Hein. Okay. Voilà. Bon, on était où ici? Donc, je me demande seulement, la reine qui arrive, il y a là. Et elle me sent. Me sent. Bon, pour commencer même, on va d'abord aller faire un tour à la Champions League, parce que ce soir c'est la Champions League. Facebook me dépasse. J'avais dit que c'est vrai que je reconnais, j'avais dit qu'aucune paix à Facebook je reconnais, mais pour vous là, non. Maintenant il faut boycotter BDK, c'est quoi? Il faut le boycotter, pourquoi? Hein? De toute façon je le mets au tout à l'heure là. Ça soit c'est la Champions League. On est fatigué de vous, hein? Tu m'as pas encore mis au zoo. Je t'ai mis au zoo, tu sais à quoi? Tu es star. Il y a que les stars au zoo. Maman, il y a que les tours, si tout le monde entre au zoo, il y a des mois. Comme ça.
On va chercher une place au zoo. Ouais, ouais. On va à la Champions League. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Les talibans sont là. Bon, on va. Vous connaissez de morceaux là. Parce que ce soir, on va à la Champions League. Il n'y a pas les Oscars ce soir. On va à la Champions League. Parce que Facebook, c'est là. On joue la Champions League. Vous avez gagné, non? On vous donne les mains. Vous avez gagné. Vous avez fait Olympia. Où c'est quoi Olympia? Un Zénith. Il n'y a qu'un Zénith. Nous, on a accepté. Laissez les gens vivre maintenant leur vie. Maintenant, on va chercher les anciennes vidéos de l'époque, on vient mettre. Yeah! Massa! Non. Pour vous, hein. Maintenant, on met la musique de Champions League. Champions League, avec vous. Aller au zoo directement au zoo. J'ai dit les Camerounais. Moi je dis que ma part qu'il n'y a pas de paix à Facebook, c'est pour m'amuser. Hein. Mais moi je suis une personne qui aime la paix et le calme. Plus que vous. Dans ma vie c'est le calme et tout. Bon, on va d'abord faire l'appel au zoo, mais je dois d'abord dire à Niat que Niat, calme ton cœur. Calme ton cœur. Vous avez gagné les Zénith. Nous, tous, on a vu, on a applaudi. Tu ne dois pas interdire, tu ne dois pas boycotter les artistes. Parce que quand vous allez faire vos pas des artistes bandits là, personne n'allait vous déranger. Hein? Niak, ne sois pas comme ça. Ne fais pas ça. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore trouvé les vrais garçons que quand vous arrivez ici à parler pour boycotter, les gens vous arrêtent comme ça. On vous met dans les studios, on vous tape là-bas. Vous ne connaissez pas ici à Paris. Je pense qu'il faut ça. Parce que le jour qu'on va te kidnapper, Niat, les pauvres frères quand on te kidnappe, tu ne connais pas les doigts là. Tu ne les connais pas. C'est quoi, on est fatigué? Chaque temps, les mêmes personnes. Vous avez fait votre Olympia, votre Dota, Zénith. Nous, on a affecté. Maintenant, les problèmes commencent partout. Les injures partout. Vous voulez maintenant envahir la toile? Quand on vous voit comme vous? Moi, je suis Sardinat et je les revendique. Une personne qui veut venir manger chez moi, tu viens manger. Tu ne veux pas venir manger chez moi. Allez, moi-même, je prépare chez moi, je mange. C'est pour ça que mon ventre gonfle. Vous comprenez? Arrêtons un peu la haine. Les vieux pères là, qu'on appelle Ben de Kata, fait quoi? Tout le monde, tout le monde. Mais tout le monde, on ne peut pas vous aimer. Le Cameroun, c'est un pays démocratique. Oui, enfin, bref. Mais bon, mais nous sommes le changement. Mais votre changement avec la force là, c'est quoi? C'est avec ça que vous allez gouverner les têtus au Cameroun là. Je dis que vous faites ça parce que vous êtes ici en France. Vous êtes en Europe. Niat, pas encore au Cameroun, on voit.
je n'ai pas envie de parler avec toi. Pour l'instant, j'ai pris une décision. Je te retire de mon zoo. Tu n'es plus le lion du zoo. J'ai même Bendeka. Bendeka, c'est le vieux lion du zoo. Tu n'es plus le lion du zoo. Et je vais l'écrire ici. Donc je te retire du zoo. Tu ne peux pas t'attaquer à un monsieur comme ça. Tu t'attaques à Lolo parce que Lolo s'est filmé avec moi, les stambles à Katamache. Non, non, arrête. Donc moi, je te retire dans mon zoo. Tu n'es plus le bienvenu dans mon zoo. Mais vous exagérez. Vous n'aimez pas la paix. Vous voulez qu'elle change, même là que vous voulez, même là. Donc nous tous, on ne souffre pas. Vous avez vu ce qui se passe au Cameroun, là? Hein? Nous tous, on ne voit pas les images. La souffrance qui se passe. Il n'y a que vous, ceux qui voyez cette image-là. Ça nous fait pas mal. Nous tous, on veut des changements. Mais votre changement, là, Miroirus, ça cache quelque chose. Hein? Vous avez gagné. Vous avez gagné, vous avez fait autre chose. Mais là, vous menacez, encore vous menacez les gens, pourquoi? Votre vie, c'est les menaces. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas construire un Cameroun avec les gens comme vous êtes les maquisards. Il n'y a que les maquisards. Je vous dis ça. Donc, tu n'es plus le bienvenu au zoo pour l'instant. À la place, je nomme Bendeka, notre vieux lion du zoo. Il mérite. Il mérite. Ça devient du n'importe quoi. Moi, tu es ma personne, hein. Tu étais gentil, tu es venu ici chez moi, je devais venir au dé de ta maman. Mais malheureusement, en parlant encore du passe navigo, du passe quoi, sanitaire, je n'avais pas. Je me suis vacciné, mais ce n'était pas encore un jour. C'est pour ça que je ne suis pas venu, moi je suis une bonne personne. Hein. Et moi, je suis respecté. Hein. Arrêtons, on peut faire comment? C'est vous qui faites le meeting, on accepte. Maintenant, vous voulez envahir la toile, vous parlez que de ça. Depuis des jours, on parle que de ça, de c'est quoi? Vous avez gagné où? Quel est le meeting qu'on peut faire dans la nuit? Le meeting, la honte? Il fallait voir comment on l'a porté. C'est quoi ça? Moi, je vous aime tous les deux, hein, mais là, je pense que notre collaboration va s'arrêter là. Hein. C'est les menaces, c'est les injures, c'est la bouche. Hein? Quand ta main est morte ici, là, Nyat, je n'ai pas vu l'engouement à Facebook. Hein. Je n'ai pas vu la presse, c'est quelque chose. Hein. Je n'ai pas vu toutes mes condoléances. Hein. Je n'ai rien vu même dans ta page, hein. Même les gens avec qui tu as mis dans tes toits. Je n'ai pas vu beaucoup de gens qui viennent te dire mes condoléances. Mais moi, j'ai quand même la photo de ta maman. Les gens sont venus commenter mal là-bas, j'ai bloqué les gens. Moi, j'ai quand même pensé à toi, hein, pour que tu es ma personne. Hein? Les Amazons, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je ne suis pas c'est comme ça, je vois, et les singes bossent, que ça soit comme ça pour dire que mes condoléances, je n'ai rien vu, hein. Il faut faire un bon combat. Parce que votre combat que vous faites là, hein, c'est un mauvais combat. Moi, je te parle. Donc, pour l'instant, ça te mentit. Moi, je croyais qu'on était des amis et tout, et tout, et tout, et tout. Mais pour l'instant, je te retire dans mon zoo. Et je mets M. Bendeka. Parce que Bendeka, tu l'as offensé. Ce monsieur ne parle pas. Il ne dit rien. Il a vieilli. C'est maman. Il a vécu, il a vieilli, il a des grands enfants, il a une famille. Il a roulé sa bosse. Au Cameroun, il a un petit souci au Cameroun, je ne sais pas quoi. C'est pas, vous n'allez pas prendre ce problème-là pour venir mettre sur la toile pour dire que voilà alors, les artistes qui ne supportent pas les gens qui veulent évoluer au Cameroun, vous allez évoluer avec quoi? Évoluer avec quoi dans vos machines-là, dans vos histoires-là, comme vous tapez les femmes, vous faites ceci, c'est ça, la violence, c'est ça. Les gens vont vous suivre. Les gens qui vous suivent, là, ce sont des gens qui sont perdus comme vous. Et je le dis et je le répète que quand on ne sera jamais président au Cameroun, parce que c'est vous, à cause de vous, un président qui continue avec les voyous, les braqueurs, les bandits, c'est ça là que vous voulez, on ne peut pas, on ne veut pas la racaille étudier. Aucun port à étudier, je le dis, on ne veut pas le port à étudier, je le dis. Parce que je suis énervé ce soir, je suis fatigué de vous. Ça veut dire quoi? Vous attaquez tout le monde, ils attaquent à maman, attends. Facebook est devenu un forum des attaques maintenant. Hein. On attaque. Vous avez gagné, non? Vous avez gagné, vous avez fait votre Olympia. On est d'accord? Nous, on parle pas. Autant on vous applaudit parce que c'est le Cameroun qui gagne. Mais vous sortez les injures. Il faut voir, c'est tout le monde qui est devenu malade. Vous voulez quoi? Toi là, Amen Kamer. Amen Kamer, toi là qui dis que machin fait ceci, voilà là un problème que tu dois résoudre. Ne reste pas seulement là-bas pour faire ton poulailler là, et vendre tes maïs là-bas.
C'est toi qui as soutenu que tout le monde doit partir dans leur concert de merde là. Moi, j'étais ici, si j'ai incité les gens à partir à ce concert, je crois que c'était un concert. C'est la fête des minutes, comment dit que ne venez pas, que les blogueurs en Bakata ne viennent pas parce que c'est un meeting. C'est pour ça que nous, on n'est pas partis. Sinon, moi, je partais. Tu m'entends? Je voulais aller m'amuser. Mais personne ne va pas parler. Il faut parler. Vous avez peur de quoi sur les réseaux sociaux? Hein? Vous voulez qu'on applaudisse? Vous voulez que tout le monde partage la photo de passer qui l'a gagné? Hein? On ne vous voit pas étudier. Allez faire la saut finale et étudier. Allez faire la saut finale à étudier. Parce qu'aux dernières nouvelles, les pas pour bien toujours là-bas étudier. La France, c'est votre pays. Les gens se déplacent de la Belgique, de la Suisse, de Grande-Bretagne, mais attends, nous sommes les étrangers. Allez faire ça dans votre pays. Vous avez choisi la nationalité française. Comme on la panthère, tu es français. Ton frère, français, tout ce monde-là, vous avez la nationalité de vos pays. Laissez-nous, je suis Camerounais, moi je peux parler. Laissez-nous avec notre pays. Le Cameroun n'a pas la nationalité. Hein? Laissez-nous dans notre pays. Vous avez choisi la nationalité, n'est-ce pas? Mais vous appartenez à ce pays-là. Quand on l'apprendait, tu fais des désordres là. Tu es Camerounais? Non. Tu es Français? Oui. Ton frère là-bas, il est Belge. Allez parler des choses de la Belgique. Parlez des choses de Macron ici. Laissez-nous amener notre poule bien comme ça. Moi, je parle parce que je suis Camerounaise. Je suis Camerounaise, c'est pour ça que moi, je me permets de parler. Niette est Belge. Il est Belge. Allez parler vos choses là-bas. Parce que tout le monde qui fait les désordres là-bas, ils savent qu'ils ont les papiers. La plupart d'entre eux, les leaders de merde, ils ont tous les papiers européens. Hein? Ou même américains, comme vous les voyez là. Ils attirent les petits troubadours là-bas, machin, tout, c'est tout. Au Cameroun, alors partez, on ne vous voit jamais. Vous avez les dés, vous ne partez pas. Maman, la honte de ça, arrêtez un peu. Hein? Vous avez pris la nationalité des autres pays. Allez faire vos problèmes ici avec les gilets jaunes. Hein? Allez faire le anti-pass. C'est là qu'on doit vous voir, en tant que Français. Je suis le Camerounais là-bas, tranquille. Moi, je suis Camerounaise et je parle parce que je suis Camerounaise. Moi, qui je suis une Camerounaise. Un Camerounais qui a pris la nationalité dans notre pays ne doit pas parler de ça du Cameroun. Je suis désolé pour vous. Vous avez choisi la facilité d'être Français, non. Mais restez donc en France, parlez de ça du Français. Oui. Parlez juste de français, vous entendez parler quoi? Vous vivez ici dans vos vies avec vos familles, vos enfants, et vous mettez les gens qui. Regardez-moi la dernière fois. Il y a les sans-papiers là qui ont cotisé. Les gens de la brasse, ils ont cotisé pour aller tuer pour le billet là-bas. La brasse là, pour aller tuer pour le billet là-bas. En Suisse, ils ont pris l'argent, hein. C'était 5700 euros. Ils ont pris l'argent, mangé l'argent. Quand les gens sont restés attendre pour payer les cas pour aller. Vous mentez, vous bouffez. C'est des savannah. On t'a cassé les pieds, là, tu es resté seul. Savannah. Seul, je monte ton pied. Attends, je vais vous montrer une vidéo. Parce que quand c'est toi, c'est l'air. Mais c'est n'importe quoi. Tu as vu le pied de Savannah. On avait pris son pied. Quand elle est partie, le gars du corps de Paul Biya qui l'avait ramassé, son pied était comme ça, comme le pied de l'éléphant. Maman cassé comme ça. Tout le monde l'a fui. Je dis que Savannah, non, Winnie Savannah. Ah, Winnie Savannah. Ah, tu vois son pied. Hein? Je ne sais pas si celle là-bas encore se remettre. On devait même couper ça. Mais apparemment, on a encore colmaté les pieds. Parlez pas de ça. Allez toujours. Parce que. C'est parce que pour Paul Biya est très gentil avec vous. C'était moi. Hein? C'est que au cachot, depuis des années, on est fatigué de vous. C'est quoi? Vous souffrez seul? Vous souffrez seul? Nous on n'a pas de famille là-bas. Hein? Vous souffrez trop. Vous aimez trop votre pays. Nous, on n'aime pas le Cameroun. Hein? Papa, mais à foutre 10. Ma Winnie Savannah. Regardez le pied. Le pied de Winnie Savannah. Talk, did you hear you? Any two, I mean, regardez le pied. Because Ma Winnie Savannah, those are no plenty help from Obanda. So, if you want help, now call for Kamoyanzem. So, I run back you.
You don't ever help Mabana. You don't help Mabana. Savannah. You don't help bring out my them. So anything you want me, Mabana, I'm done for you. Regarde les pieds. Tu as dit, also call for another woman to come. Regarde bien. Continue toujours. Yeah. Personne, tout le monde était parti. Hein. La bande là. Tout le monde était parti. On t'a abandonné avec ton gros pied. Quand tu es parti là-bas jusqu'à que. Tu vas aller bagarrer avec les gens qui font la boxe tous les jours. Hein? Continuez. Continuez. Maintenant, c'est du n'importe quoi. On n'est plus libre d'aimer ce qu'on veut. Chaque personne a le droit de choisir qui voter. Où il y a les votes, mais où tu ne votes même pas. C'est quoi? Quand il faut sortir les machettes ici, on ne vous voit pas tout sortir les machettes. Hein? Les gens cotisent même pour aller tuer pour le billard en Suisse. Vous mangez encore l'argent même des gens là. C'est du n'importe quoi. On a se laissé faire par les mécréants comme vous, les mécréants. Je dis un pas. C'est comment tu ne travailles pas? Je vais travailler, moi je me repose un peu. Je vais travailler toute la nuit tranquille. Ne te dérange pas. J'ai prévu de travailler, je vais travailler, chérie. T'inquiète pas, tu travailles le matin. Oui, je vais travailler demain. À 11h, je t'ai dit 11h. Oui, avant 9h, j'aurais déjà fini. T'inquiète pas. Chérie. Donc tu dis que tant que tu es venu, c'est pour faire ça toute la nuit. Non, je vais le faire, chérie. Écoute-moi très bien. Ne me fais même pas ça où je suis. Si tu veux que je m'avais tombé dans le troisième état, tu veux que je vais tomber? Tu ne me connais pas, je ne vais pas tomber. Si tu es venu m'escroquer, si tu me dis que tu m'escroques, je t'ouvre la porte, tu ne parles pas. Je vais t'escroquer, ça commence comme. Je vais t'escroquer. Hey, est-ce que tu es escroqué un jour? C'est pas maintenant que je vais commencer. Est-ce que tu es escroqué un jour? Moi, j'ai ma part d'histoire qui sort toujours seule. Bah, allez, bon, c'est bon. Hein. C'est pas aujourd'hui qu'elle va commencer. Chez non, non, non. C'est tu veux précipiter, maman, tu me dis, je m'en vais. Les gens, je sais que les gens veulent que je saute. Disent que saute, je vais aller sauter. Mais comme c'est mon troisième étage, je ne vais pas mourir. Donc, hey, si je ne manque pas, les gens sont contents. Les mouillants. Le manjar. Ah, les gens vont danser. Le manjar, si je saute, parce que la goutte forme est partie. On sera à paix en Facebook. On dit que après les gens seront à paix à Facebook. La courte femme est partie. Non, mais non, s'il te plaît, j'ai besoin. Non, voilà mon diable, tout est là. S'il te plaît. Là, je commence ton travail. Tu vas te connecter de quel côté, ce côté-là? Je vais brancher là. Oui, mais attends, je peux prendre ça là. Non, t'es quel courant est là? Parce qu'après, moi, je vais aller là-bas. Je vais te suivre toute la nuit. Tu as besoin de devoir rester à côté de moi parce que. Oui, je sais. Ouais. Voilà, d'accord? D'accord, maman. Ok. Fini ton direct pendant tout le temps, je me repose aussi. Bah, te repose-toi, mais va laver quand même tes mains. Je vais laver. Bah, tu laves pas tes mains, lave tes mains, tu débarrasses et tout ça. On ne va pas faire ça comme ça. Voilà, finis alors vite. Est-ce que voilà que tu me donnes les cartes que tu vas voir que ton argent rentre dedans? Je sais, on va parler tout à l'heure. J'ai tout, t'inquiète. Bon, on était où, mes roses? On était où? Je vous dis que continuez à faire vos choses là. Savannah, tu étais une très belle femme. Au début, il y avait Savannah, il y avait Nico Tchaf-Tchaf. Il y avait la brûle là qui est morte là. Quand la brûle est morte, on ne sait pas comment elle est morte. Après, toi, tu veux montrer que tu es une Amazone. Tu parles. Elle est partie attaquer un garde du corps présidentiel. On a seulement fait comme ça. Rentre, les pieds s'est cassé, coupé comme ça. Tu as la chance que tu es ici en Europe. Si tu étais au Cameroun, ce que tu es en train, tu es déjà. Ce que tu as fait, Kotam. Kotam a coupé les pieds. Ça là, alors, voici alors ça. Ton professeur Kamto là, il t'a appelé. Hein, il dit, call you. Regarde ton pied. Vini, voilà ton pied que j'ai montré ici. Hein? Je n'ai jamais entendu, quand on l'a panté, tu dis même qu'Asia. Je n'ai jamais entendu, Nia te dit Asia. Tu as pleuré ici que, oh, me voici ici. Me voici ici qu'on a coupé les pieds. Wow. N'oublie pas, hein. Tu sais, quand je suis en direct, je n'aime pas les bruits. Hein? Tu te lèves, tu vas te parler là-bas. Voilà. Attendez, on est là-bas chez toi, Vini Savannah. Parce que je te fais même la publicité en parlant même de toi.
Parce que, faut pas oublier, hein. Parce que tu es parti, on a même fait des PayPal et pour des frais d'avocat. Les frais d'avocat pour qui? Franchement, pour rêver, hein. Une belle femme comme toi, tu te avec un pied. Te voici ici assis. Venez, ça va là, te voici. Assis avec tes deux beaux pieds. Tu les drapeaux camerounais ici. Tu t'assois sur ça, tu ne mets pas les drapeaux. Te voici ici. Venez. Une femme qui était. Maintenant là. Regardez comment, regardez cette femme. Vous avez vu comment Winnie était belle avant. La politique est venue. Winnie. Vêtue de leur chat. C'est quoi que c'est ici? Elle était à l'hôpital, elle pleurait là-bas seule. À l'hôpital. Te voici ici à l'hôpital, Winnie. Je suis derrière toi, ma soeur. Regarde, on t'a tabassé tout ça. À cause de quoi? Quelle politique? Tu étais seule. Regarde-toi. Regarde-toi, Winnie. Winnie, ça va. Moi, je te montre parce que je sais que je suis une personne qui t'aime beaucoup. Regarde-toi. Winnie, ça va. Regarde-toi comment tu étais avant. Une belle, élégante femme. Oh, regarde-toi. N'est-ce sans t'aller encore. Gentille, bonsoir, belle. Ouais, même général Barak. Général Barak, même où? Notre général Barak. C'est ceci, elle a. Et même Nico, tu as fait. Celle qui avait la grosse bouche comme ça. Elles ont compris, elles ont payé l'argent et elles sont parties. Voilà la Gabonaise aussi. Général Barak aussi a fui. Regarde. Regarde, Vini Savannah, regarde-toi. Regarde-toi. Avant que tu puisses entrer dans mon coin, tu devais être la deuxième épouse de Kamto. Hein? Franchement. Un chasu. Tu vois, elle était à l'hôpital seule. Seule. Chasuble. Elle a... Personne. Regarde. Vraiment. Voilà, continuez avec vos choses. Ne lâchons rien. Prête, mobilisons-nous. Général, au 235 congrès de gré à gré, inscription massive. Yeah! Regarde. Te voici, Winnie Savannah. Parlez toujours entre les organes. Winnie, je ne fais pas. Bonjour, peuple camerounais. Ici Winnie Savannah qui vous parle depuis Paris, fille d'Ambazonie, née à Kumba. Ah. Aujourd'hui, je vous dis non au gré à gré. J'invite tous mes compatriotes de la France à descendre dans la rue. Dans tout ça, il y a 15 commentaires. Il y a 234 des élections alors qu'il y a la guerre dans le nozo. Voilà. Comment pouvons-nous? Je ne veux pas écouter tes bêtises. Attends, te voici assis ici. Anti, je remonte bien ton pied. Te voici ici pour payer les frais d'avocat. Ici, PayPal. On vous demande encore le PayPal. Comme tu avais pris 14 millions, non? Papa. Mais à foot 10. Si, à foot. Savannah, il y a you. The foot. Talk, they did hear you. And it's your army they do for the foot. Because my winning Savannah, those are no plenty help from Obanda. Regarde les pieds. So, if you want help, now on call for Kamoyans. So, I run back you. Mais l'os là, je ne sais pas comment on a cassé l'os là. On l'a cassé l'os là. Regardez. Regarde les pieds de quelqu'un. So anything woman my wish to do now for you, talk. Don't say they also call for another woman. Regarde les deux pieds de Savannah maintenant. Talk in here. Talk. I want to say if it direct me, it will have any place where they feel any hospital. Regarde les pieds maintenant. Say me, leave me. Les deux pieds. Why you? You need Savannah. Now all the things I want me to do now for you. I want to say me they help me the food. Again, merci, mais quand même, des fous finish normal, begin worker. Ici, là, on t'a jamais vu. Vous savez,
continuez votre violence. La violence apporte la violence. La dernière fois, vous êtes parti pour tuer Paul Biya là-bas. On vous a gazé, vous-même, vous avez accepté que... Merci. Merci le bon Dieu. Le bon Dieu, le Paul Biya a gagné. Continuez avec votre haine. Winnie Savannah, il y a une vidéo qui circule sur toi, là où tu pleurais à l'hôpital. Moi, voici à l'hôpital, on va couper mon pied. Oh, personne. Les gens t'ont abandonné. Mais aujourd'hui, c'est toi que tu es la première à inciter tes soeurs à aller faire la même chose que toi. Parce qu'il faut que tes soeurs soient comme toi. Continue alors. Continue. Hein? Même si ce n'est pas elle, mais c'est elle. C'est elle. Sandrine Tchonkyo, c'est elle. Vous n'aimez pas la réalité, vous n'aimez pas la vérité, c'est son pied. Oui. C'est son pied. Quand elle pleurait ici, avant de venir ouvrir ta sale gueule ici, quand elle pleurait ici, que tu lui as envoyé les fleurs. Voilà son PayPal. Tu as causé son PayPal. Tu as causé son PayPal. Ce n'est pas elle. Elle abandonne encore les deux pieds. Quand elle criait ici, là, les réseaux sociaux, vous ne voyez pas. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas elle, c'est elle. C'est elle. J'ai dit que c'est elle. Pour moi, c'est elle. C'est de ça qu'il s'agit. Même si ce n'est pas elle, c'est elle. Son pied est comme ça, son pied. Quand elle pleurait, est-ce qu'on va couper son pied, vous étiez où c'est son pied là-bas. Que ça vous plaise ou pas. Vous avez dit qu'ici, à fait, même si on voit un homme qui suce la bouche d'une femme en vrai, vous avez dit que non, il ne suce pas la bouche. Il a embrassé ici. Alors qu'on voit les deux bouches qui se touchent comme ça, vous allez dire que non, ce n'est pas ça là-bas. Vous regardez bien et il fait le bisou ici. Vous êtes comme ça. C'est comme ça. Moi, je n'ai peur de personne. C'est elle, Nampian et Repian. C'est elle. Voilà sa page. Il y a combien de vues là-bas? Vous voulez que quoi? Nous, on doit rester là sans rien dire parce qu'on a peur de vous. Vous venez maintenant prendre toute la toile pour vous. Vous parlez que là, vous avez gagné votre soirée. Une soirée très minable. De la basse dans la basse cour. Les meetings dans le noir. C'est de ça qu'il s'agit. Allez faire les meetings dans la journée. On doit vous laisser. Une ça. Une comme moi, je mourrai où à où. Je le dis et je répète que quand tu ne seras jamais président, c'est à cause de vous. Donc, le jour ce soir, notre Dieu du zoo, c'est Bendeka. Donc Bendeka entre dans mon zoo ce soir. Il enlève comme la panthère. Va un peu là-bas avec tes gens. Moi, je crois que tu as réfléchi. Quand tu mets les photos de ta maman ici, là-bas, il y a 4 personnes. On n'a pas vu toute ta famille, la famille des aînés des réseaux sociaux, la famille de la place. On ne vous a pas vu. Mais on vous voit uniquement quand il faut framponner. Tu aimes la photo de ta maman ici, les réseaux sociaux. Personne n'a commenté, personne n'a rien fait. Les meetings dans le noir. Non, mais nous, on va que faire ça maintenant. On est fatigué. N'importe quoi. Ouais. J'ai anéni. Nous, ne discute pas. N'est-ce pas, ils accusent les gens aussi à tort et à travers. Nous, ce sont maintenant, on va accuser que c'est comme ça. Dans sa page, non. Quand elle pleurait, est-ce que oh, on va couper mon pied? Oh, aidez-moi. On t'a dit que qui t'a envoyé, Winnie? On t'a pas envoyé. J'espère que ton pied va bien. Hein? Regarde comment tu étais belle et rayonnante. Hey, une belle femme de Kumba. De même, au Cameroun, il y a tous les anglophones très suspects au Cameroun. Vous quittez le Nigeria pour venir envahir le Cameroun. Vous dites que vous êtes de Kumba, de Limbe, de Chico. On vous connaît. On était où? Mais c'est pas possible. Tout le monde a le droit de suivre qui vit dans les réseaux sociaux. Tout le monde a le droit de parler, de donner son avis. Hein? Vous voulez qu'on applaudisse Bassero parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Tiens, si c'est moi, hein, allez. On vous couvre la tête, on vous jette dans le porc, vous mange. Vous quittez un peu la toile, on est fatigué de vous. Donc, toi, Amère Kamé, bon, je finis d'abord avec. Je vais finir avec toi, Amère Kamé. Parce que moi, je ne suis pas. Tu sais que moi, je suis une personne que quand ça me prend déjà quelque part, là, moi, je parle de ma part. On va souhaiter la bienvenue à notre vieux lion du zoo, Bendeka. Bienvenue, Bendeka. Tu es dans mon zoo. Bendeka,
C'est toi le zoo. Niet n'est plus le dans mon zoo. Tout l'instant, tu quittes dans mon zoo. Parce que tu as fait que tu t'attaques à un dieu, monsieur. Tu sais pas que Ben de Capet est ton père. Tout ça pour dire que non. Donc, tu n'es plus au zoo. Tu peux même me bloquer si tu veux. Parce que moi, je n'ai pas le temps de te bloquer. Si tu veux. On est fatigué. Parce qu'il faut condamner certaines personnes. Vous voulez toujours tout amener. Tout amener chez vous. Oh, petit pays est tribaliste. L'autre aussi est tribaliste. Tout le monde, personne, vous êtes l'équipe. Vous êtes les plus tribalistes là. Tous les plus tribalistes. Donc, c'est tout le monde qui va entrer dans vos migmar là. On a plein de carafans. Il a une famille, hein. Vous attaquez les familles des gens. Vous ne connaissez pas les gars droits là, hein. Bye.
continue à aider toujours gentil avec ce truc. On peut trouver les gars. C'est la pub. C'est la pub. Bon, on va passer à l'appel des membres du zoo. Oui, et j'appelle le nom parce que faut que je fasse l'appel. Oui, parce que normalement j'avais prévu les Oscars au zoo. Après j'ai dit que c'est la Champions League. Mais comme vous voulez jouer la Champions League avec nous, moi je veux jouer la Champions League avec vous. Parce que Facebook devient n'importe quoi. Nous sommes des stars blagateurs, on parle de nos choses pour beaucoup, on s'insulte pour beaucoup. Maman, c'est monsieur Bendeka, lui, maman, un monsieur gentil, sympa. Il parle comme il chante, il avait la voix douce, c'est comme ça qu'il parlait. Gentil. Il adore les gens, quand tu vas vers lui, la photo, il est là avec toi. Il a déjà vieilli. Mais vous allez mélanger dans vos micmacs là. Mais attends, parce qu'il a les petits soucis, c'est pour le Cameroun, c'est pas, il y a quelqu'un qui doit l'argent, c'est pas quoi. Vous le prenez maintenant, vous dites, tu vas lire, il va lire, quel, parce que vous voulez que tout le monde soit avec vous. Mais allez, vous êtes tellement bêtes. Est-ce qu'un civil a déjà renversé l'armée, a déjà renversé un pays? C'est l'armée qui renverse le pays. Merci, Rose d'Afrique. Ça va, ma chérie. Emilia Ndale, comment? Hein? Allez vous joindre avec l'armée. C'est l'armée qui peut renverser pour bien. Même l'armée ne vous aime pas. Rien. Vous venez seulement bavarder, casser les oreilles des gens, les réseaux sociaux. C'est l'armée qui renverse. Vous êtes là. Êtes vraiment vieille. Ces gens-ci, vous me tensionnez à un niveau qu'un. Bon, on va faire l'appel. À mon commandement, tout le monde est là. On va commencer par Lolo Fondia, c'est le putois du zoo. Présente. Je dis tous leurs noms. Lolo Fondia. Le putois du zoo. Lolo Fondia. L'élève du zoo. Ngosa. Hein? Le singe du zoo, Elise Batang. Le bonobo du zoo, son mari, Augustin. Antoine Bachot, tu veux, toi et moi, c'est après. Pour faire de la peine dans mon zoo. Amazon, c'est le buffle du zoo. Oui. Amazon, c'est. Quand la chicotte, la lionne du zoo. Oui. Et ovation pour notre nouveau vieux lion du zoo. Notre vieux lion du zoo, c'est Bendeka. Sachez que Bendeka fait partie de mon zoo. Maintenant, quelqu'un l'attaque. Ça veut dire qu'on a attaqué tout le zoo, hein? Doudou Ngaba. Hippopotamus. Hippopotame du zoo. Bien sûr, avec ses petits hippopotames. Avec monsieur Hippopotame, son mari, bien sûr. Le tronc d'arbre. Majolie Ngaba. Oui. La tortue du zoo. La reine galloise. Le moustique du zoo. Moi, le moustique là s'appelle du camer. C'est le moustique du zoo. Oui, on est nombreux. Hein? Attends. Ne m'en bats vert. Ou c'est des serpents là noirs là, c'est qui souvent. Demande-nous. Anaconda. Fleur de l'île. Ah ouais, ça te va bien, hein? Anaconda. Ça. Non, on est nombreux quand même. Hein? Le rat palmiste là, Dev Milliardev. Le phoque du zoo, la baisse Samé. Il faut me dire les noms, parce que tout qu'on continue, je dois faire l'appel au zoo. L'hibou du zoo, Nyangon, Irène Marie, Coco la gosse, l'hibou du zoo. Le chat du zoo, Carole Abena. Le facochère du zoo. Mathieu Chopard, le facochère. Oui.
Le contremaître du zoo. Et Namangoy, ma petite fille. Mm-hmm. Le braconnier du zoo. C'est l'ancien mari de Marthe Choupa, là. C'est lui le braconnier de notre zoo. D'ailleurs, ça fait mais longtemps, on n'a même pas entendu sa voix, il faut qu'on mette sa voix. Le coq du zoo. Waris, c'est le coq du zoo. Le caméléon du zoo. Moi-même, plaisante. Parce que je suis, j'ai créé un zoo comme je suis caméléon, parce que je change chaque temps. Le mâchoire, ouais. Mais ma Facebook, c'est quelque chose. Ouais, ma mâchoire. Ouais. Ma mâchoire est partie ou depuis on ne sait plus ma mâchoire. Je sais même comment il s'est à Facebook. Quand vous venez pour rester avec nous, hein. Nous ne pas que vous partez. Hein. Ha. Ma mâchoire. Solange Bis, c'est ma mâchoire. Mm-hmm. Le crabe du zoo. Natacha Ashley Lambert. Le macoro. Pamela Anglade. Le macoro et tout ça. Parce qu'ils sont la mardo. Hein, parce que. Bon, on continue. Hein. Et vous me rappelez les trucs aux zoos parce que. Mm-hmm. Le premier ministre. Hein, c'est le crapaud du zoo. C'est le crapaud. Non. Le crapaud, oui. Avec ses deux épouses, Calice la grenouille et Sylvie Ténier la grenouille. Parce qu'il a deux femmes aux zoos. Hein. Il a le crapaud à deux femmes, bien sûr. On continue. Nadège Mbapa, le cheval du zoo. Il faut me rappeler aussi, mais voilà, ça fait longtemps. La chèvre du zoo. Ah oui. À moi, la chèvre. C'est Nathalie Babalé. Oui. Parce qu'on doit faire la paix aujourd'hui parce que je suis fatiguée de ça. Parce que ça fait longtemps. Là, je vous vois là, vous paradez partout là. Je ne suis pas d'accord. On continue. Dites-moi les noms. Parce que. On s'est arrêté chez qui? On est arrêté chez les moustiques. Non, mais on est nombreux, zoo, hein. On a déjà appelé les boubis. Le mâcheron est passé. Le phoque est passé. Le chien du zoo. Leonardo DiCaprio. C'est le chien du zoo. Ho, ho, ho. J'ai en fait. Marie Kissibobzen. Oui. Elle est la rico du zoo. Le géant vert du zoo. Mm-hmm. Allons-y. Me sang. Et sa tribu, ce sont les éléphants du zoo. Ce que j'ai oublié, parce que maintenant, ceux qui sont dans le zoo, ils ont, ceux qui ont des familles, sont, c'est tout le monde qui est dans le zoo. Hein. Parce que moi, je suis dans le zoo. Je suis dans le zoo avec mes caméléons, je suis dans le zoo là. Je suis caméléon moi-même. Amazon est passé. Oui, Amazon c'est le buffle. Quand la chicotte est passée, oui, c'est la lionne du zoo. Le vieux loup. On a notre vieux loup du zoo. Joe Biden. Joe Biden est au zoo aussi. Le macaron est passé, bien sûr. Joe Biden est passé au zoo. Joe Biden, oui, Joe Biden, c'est notre vieux loup du zoo. Oui, il y a quoi qu'il est. Il faut que je pense à tous les gens du zoo, hein, parce que ça fait longtemps, hein. Aïe! Ouais! Je vais ajouter. Non, je vais chercher un vétérinaire tout à l'heure. Je vais trouver un vétérinaire aux zoos. Je vais mettre Chakala Vip. Chakala Vip, c'est le nouveau vétérinaire du zoo. Parce qu'elle sait bien faire les choses là. Donc, elle va venir les corriger là-bas aux zoos. Donc, Chakala Vip est le vétérinaire du zoo. Il faut lui dire que le vétérinaire du zoo, je choisis Chakala Vip. Parce que je choisis les gens en fonction de leur comportement. Hein. Bien sûr. Donc, Chakala Vip est entre aux zoos. Elle intègre le zoo du gouvernement de la joie. Elle va régner l'ordre là-bas. Elle va piquer les gens là-bas bien même. Oui. Oui, Doudou Ngaba, c'est Hippopotamus. Du zoo, des hippopotames du zoo, oui. Avec des petits hippopotames et tout ça, son mari hippopotame. Oui. Mais j'avais oublié qui. De quoi d'amour a passé.
On va s'aider les lèvres du zoo, bien sûr, on va s'aider les lèvres du zoo. Ah ben dis donc. Les renflements de ça ici au Ghana. J'ai dit que... le vétérinaire du zoo, c'est Chakala Vip. Elle s'est fait ça bien. Parce qu'il faut bien... Ouais, j'ai oublié qu'ici, vous pouvez, parce que je vais ajouter les gens au zoo. Donc, on était que petit comme ça, alors qu'avant, on était nombreux. Hein. Père de luxe, elle était quoi au zoo? Ouais, père de luxe, c'était qui Ouais. J'ai oublié le père de luxe. Le père de luxe, c'était qui au zoo? Non, c'est moi le caméléon du zoo. Mais Amo te reste le pain goubou du zoo. Amo, c'est pain goubou du zoo. Et sa femme, c'est la jaguar, ne change pas, c'est la jaguar du zoo. Lui, c'est pain goubou. Comment? Est-ce que tout le monde est au zoo là-bas? Est-ce que c'est quoi? Amo, c'est le goubou du zoo. Sa femme, c'est la jaguar, reste jaguar. C'est quoi, la jaguar du zoo, oui? Ouais, on n'est pas là, attends. Pas un goubou, ben goubou du zoo. Il faut bien un goubou là-bas au zoo. Ah. Oh. Ouais, ouais, ça, c'est ici que j'avais mis les trucs là. Hein? Oui, elle était le lézard du zoo. C'est Perle de luxe, c'est vrai. Hein? Oui, oui, le lézard. Il y avait aussi la gazelle. Ce qui était la gazelle? La gazelle, c'est Natacha de Monaco, c'est ça. Oui. Et la coyote du zoo, Catherine Dan. Coyote. Oui, oui, oui. Il y avait qui encore? Parce que le crapaud du zoo, c'est. Le crapaud du zoo, c'est un crapaud venimeux. C'est de Konamugu, bien sûr, avec ses deux grenouilles là. Scalis, les séries ténières. C'est comme ça. Il n'a pas encore fait et il dort déjà. On t'a dit que ma maison, c'est une bezedroom. C'est une bezedroom que les gens viennent. Moi, je vais travailler avec lui pour que je sois internet, c'est tout. J'ai un document que je dois faire dans les réseaux sociaux. Mais vous, donc vous voyez la baisse partout, vous. Vous ne pouvez pas avoir des amis qui viennent vous rendre visite, qui dorment chez vous. Hein? Franchement, tout pour vous tourne autour de la baisse, des petits mots, la mécosité, c'est quoi ça? Il n'a pas encore gnassé, il a dormi. On a dit que c'est comme ça, moi je travaille. Je travaille. Et oui, il va travailler toute la nuit. Il a emporté son ordinateur pour m'aider à faire un dossier. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Vous n'avez pas d'amis, hommes qui peuvent venir chez vous? Pff, franchement. Si c'est pour se limiter là dans les réseaux sociaux qu'à parler de les âneries pareilles. C'est tout. Vous n'avez pas d'amis, vous? Qu'est-ce qu'il va dormir là? Il a bien mangé le gros poisson, le gros tilapia que j'ai fait là. Le gros tilapia que j'ai fait là, il a bien mangé. Il va se lever là, il va dormir, il va se lever, il va travailler. Et toi, de Kribi, elle n'est pas dans mon. Elle n'est pas dans mon zoo. Nivaki n'était qui au zoo? Elle n'a même Nivaki, non? Ouais. Pour moi, c'est que ma feuille là que j'avais écrit toutes les choses là, je ne sais pas où j'ai mis. Parce que normalement, il y a beaucoup de gens qui manquent encore. Hein. On a appelé Natacha de Monaco, on a appelé. Et appelé. Père de luxe, de lézard, oui. Et enfin, encore qui. Du camin est passé. Oui, c'est le moustique du zoo, parce que du camin dérange les oreilles des gens. C'est le moustique. Et je vais rajouter Amer Kamer, mais il faut que je trouve. Il faut que je trouve. Parce que. Il faut que je trouve un animal qui voit bien Amer Kamer, mais je ne sais pas lequel. Parce qu'en ce moment, il m'énerve beaucoup. Il faut que je trouve quelque chose qui va l'énerver là-bas. Oui, là, je vais lui mettre qui. Ouais, il y a aussi.
c'était la Amougou, notre guépard du zoo. C'était la Amougou, c'est notre guépard du zoo, bien sûr, c'était la Amougou. Vous avez oublié, c'était la Amougou, oui. La hyène du zoo, c'est Nivakin, oui, hyène. Mini, maintenant, non, il y a eu. Il y avait un hérisson au zoo, non? Attendez un peu. Il va falloir que je fasse une liste comme ça. Je vais toujours appeler les gens avec leur nom. Comme mon ami là, je vais essayer de faire ça cette nuit. Parce que là, il vient de manger, il faut qu'il dorme. Mais vous croyez que tout le monde fait la prostitution, mes soeurs? Il y a les dossiers que quand tu ne sais pas comment, que tu ne peux pas passer par le téléphone, il faut passer par l'ordinateur. C'est l'amour que tu ne te crées pas. Astico de toilette. Ok. Tu sais que je nomme les gens dans mon zoo en fonction de leur comportement et comment ils sont. Je vais chercher. Il y a un petit ami. Call from. Ouais. Allô? Allô? On va chercher. Il faut qu'on trouve un bon nom pour Amer Kamen. Je veux réfléchir pour Amer Kamen. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'animaux qu'on n'a pas encore. Beaucoup d'animaux qu'on n'a pas. Beaucoup de gens qu'on n'a pas. Non, le pitua du zoo, c'est le long Fonja. La bête, c'est le phoque du zoo. Et parce qu'il est pédé comme un phoque, alors hein, ça lui mérite quand même. Hein. Et. Attendez un peu. J'ai oublié qui, parce que je pense qu'il y a des gens que j'oublie. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'appel aux zoos. Hein. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé aux zoos. Donc, vous voyez, ce sont des gens qui appellent. Donc, la personne est là, hein, il me voit très bien. Mais, tu crois qu'en appelant, tu vas perturber mon direct, tu n'appelles pas. Tu es malade. Mais je ne bois pas la bière, pourquoi? Je bois la bière. Tu as recommencé à m'appeler, ma chérie, tu n'es pas fatiguée? Hein? Même franchement, ça te sert à quoi? La girafe, il y avait une girafe, non. Plus qu'à Biolo, la girafe du zoo, oui. C'était plus qu'à Biolo. Elle dit même celle-là. Vous venez chier les caca à faire vous fuyez encore. Plus qu'à Biolo, c'est la vie. Il y avait aussi celle-là. Ça qui construit les immeubles là, au Cameroun, on appelle comment? C'est même qui ça? Un agent sanglier aux zones. Non. Amer Kamen, c'est la poule du zoo. Amer Kamen, c'est la poule pondeuse du zoo. Le nom là te va très bien. Oui. La poule du zoo Amer Kamen. Orangula, c'est la force du zoo. Non, c'est la poule du zoo. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Laissez. Orangula, c'est la force du zoo. Non. Vous allez me comprendre plus tard. Donc, allez dire à Amer Kamen qu'il est la poule ici au zoo. La poule du zoo, c'est Amer Kamen. C'est tout. Abimte, vous laissez-moi, vous allez entendre, vous allez comprendre pourquoi. Oui. Poule mouillée. Oui. Donc, elle dit que. Elle dit à Amer Kamen qu'il vient prendre son trophée ici. Il est la poule du zoo. Mais Valérie a mouru au zoo. Je ne me souviens pas, hein. Mais je crois que j'avais mis Valérie à mouru au zoo, non.
mais pas Siraj Oso depuis. Hmm? Pas Siraj Oso depuis, pas Siraj est l'éléphant du zoo. Oui. Mm-hmm. Mais on n'a pas encore un port aux eaux. Hein. On a le facoché, mais il n'y a pas de port aux eaux. Donc il faut que je cherche quelqu'un qui le mette au port. Parce qu'il faut bien le port aux eaux. Le roi Manga, c'est qui? C'est le perroquet, non? Le roi Manga, oui. Le roi Manga, c'est le perroquet du zoo. Oui, oui, c'est le perroquet. Mm-hmm. Bah, il pend tous les nefsis. Donc, il faut dire. Non, Nathalie, c'est mon accord. RS, nous t'es plus là, tu dis ça, hein. Oui, allô? Allô? C'est quoi ça? Tu appelles quelqu'un et tu écoutes encore ma voix. Bonsoir. Elle dit même... Non, elle ne dit même pas bonsoir. Elle appelle avec un bon numéro. Mm-hmm. Non. Mmh. Donc voilà. Holgram, plus 3375-115. Excusez-moi. Allô? Je veux ta message, chien. Tu as le chien. Son numéro, c'est 07-51-15-58-80. Son numéro, c'est 07-51-15-58-80. Voilà. Non, mais comment? Montre ta voix, non? On t'entend pas bien. Parle bien. Enlève ton tout. Tu parles bien. Oui, maman. Je regarde. Mais on n'entend pas ta voix. Enlève ça. Tu nous parles. Hein? Je vous ai dit quoi? Il n'y a que les esclaves mentaux à Facebook et les PD. Les PD mal baisés là, c'est eux qui appellent toujours, c'est pour m'insulter. Oui. Mais moi, je vous dépasse. Hein? Son numéro ici, c'est 07-51-15-58-80. Voilà. Attends, je mets bien ça. Comme ça, vous allez. C'est comme ça que ça se passe. C'est quelqu'un qui a pris la drogue. Par contre, vous savez qu'à l'heure, si les gens sont drogués, ils se droguent seuls chez eux. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien toute la journée. Donc, Jade, c'est toi qui m'insultes, franchement. Ou c'est un de tes amis qui m'insulte, hein, Jade. C'est ta merde. C'est ton cul à sec. Tu sais qui je suis, non? Un manganda est là, appelle. Et quand tu appelles, pourquoi tu camoufles ta voix? Hmm? Tu camoufles ta voix, pourquoi? Ça ne marche pas avec moi. Tu comprends? Je suis Manganda, c'est chez moi. Va faire ta pute là-bas, là où tu fais. Je marche avec les femmes, je ne marche pas avec les transsexuels, d'accord? Je ne marche pas avec les transsexuels. Je respecte les transsexuels qui me respectent. Mais toi, tu n'es pas respectueux. Ce n'est pas en allant changer de voix ou bien en allant dire à ton ami de m'appeler que tu crois que ma vie va changer. Mais tu ne mettras plus jamais les pieds ici. C'est ma maison, c'est mon Ganda. Tu entends? Appelle la police qui vient. Tu n'as pas de vie, toi? Je suis Manganda. Tu n'es pas star. Tu ne seras jamais star. Tu n'es même pas... Non, mais Kabe, tu ne ressembles à rien. Tu es une épave. Une épave. Regarde-toi, regarde-moi. Tu penses qu'appelant les gens là... Quand tu caches ta voix, il ne faut pas cacher ta voix. Quand tu appelles une personne comme moi, tu appelles... Parce que tu sais que j'allais reconnaître ta voix. Je sais qui tu es, Jade. Franchement. Prostituée de bas étage. T'entends, non? Mon anus est encore bien serré. T'as pas cool, va porter les couches. Ciao. Next, comment on dit next? Appelle encore. Voilà son numéro. Le numéro, les gens qui harcèlent les gens. Je suis Manganda. Je suis Massissi. Quand tu m'appelles, tu m'attends. Tu ne caches pas ta voix. Pourquoi tu as caché ta voix? L'amitié n'est pas forcée. L'amitié n'est pas forcée. Georges dit qu'il ne veut même plus entendre parler de toi. Et que tu parles encore, il va venir te tabasser. Voilà alors. Bon. On est au zoo. On est où? Voilà. On est où là?
On était chez qui parce qu'il faut que je dois recenser tous les animaux qui sont au zoo et tout ça. Vous savez que notre zoo là, même pour bien pour le zoo, hein. Coucou, que je mets pour le zoo. Ouais, ouais, j'ai oublié de mettre mon patriarche au zoo. Je vais mettre pour bien au zoo Koroa. Bon, je vais chercher le nom de Poibia. Parce que tout le monde appelle les vieux lions, mais moi je ne l'appelle pas comme ça. Ndi. Au nom Ndi. Ndi, c'est quoi en patois, s'il vous plaît? Ah, Liliane Mungue, c'est ma cube magie. Liliane Mungue, c'est ma cube magie. Liliane Mungue, c'est ma cube magie. Ndi Nedje. On casse la chicote aux os. S'il vous plaît, Ndi, c'est quoi? On appelle Ndi, c'est quoi? Au nom Ndi. Je suis la route, Pedga. Là, je me débrouille, je me bats. Il faut se battre à des énergumènes pareil. Ouais, Mado, on me dit, on me dit, on me dit. C'est. On va aller aux pompes funèbres après, parce que je vais enterrer les gens bientôt. Notre pompe funèbre. Le gorille, voilà. Notre popolo, popolo, ton mandat n'est pas fini, ah, et tout dit. Popol entre aux zoo aujourd'hui. Oh yago, yago, yaga. Popol, c'est le gorille. On nomme Ngui du zoo. Le gorille du zoo. Non, il y a un gorille au zoo. Non, c'est le bonobo qui est au zoo. Il y a un gorille ou pas? Il y a le bonobo. C'est le bonobo. Il y a un bonobo au zoo, non? Le bonobo, c'est le mari d'Élise Batante. Le gorille du zoo, le gorille. On nomme Ngui. Pas n'importe quoi. On ne peut pas dire en tout. Donc aujourd'hui, il y a les nouveaux arrivants au zoo. Donc notre Popol est au zoo. On ne peut pas dire. Tu es au zoo. Pour bien être dans notre zoo. Respect. Bonnes affaires. Bendeka, notre vieux lion. La musique camerounaise. Il est au zoo. Amer Kamer, la poule du zoo, il est entré. On va applaudir les nouveaux membres du zoo. Notre zoo n'est pas, il n'y a pas n'importe qui là-bas. Il y a tous les asticots au zoo. Qui était mes asticots ici dans le zoo? Il y a même qui au zoo. Qui était asticot? Eh, Pobia est entré au zoo aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on veut les vrais gens. Il nous faut un Tarzan au zoo. Le Tarzan du zoo. Qui va venir? J'ai dit que le gorille a trop de poulbia et au zoo. Ah ouais. C'est vrai que j'avais oublié poulbia. Depuis le zoo. Mais bah, depuis Joe Baden, lui, il est au zoo depuis. Joe Baden est au zoo depuis. Hein. Notre vieux loup du zoo. Oui. Popol, c'est notre vieux gorille du zoo. Le vieux sage du zoo. Ah oui, ah oui. Popol, c'est le vieux gorille du zoo. Call from +33751 15. Tu es en train de baiser? Jade. Franchement, Jade. C'est des petits gars qui. Ah! C'est quel petit gars? Mmh. C'est qui, mon gars? Je ne connais pas, il y a un petit gars, je connais qui c'est. Il s'ennuie, il a appris la drogue. Donc il s'ennuie, il est seul chez lui, il veut parler avec moi, comme depuis hier, je ne parle pas avec lui. Je ne veux plus être ami avec lui. Donc il appelle pour dire, il a besoin, il s'en fout, même si vous l'appelez. Il ne va rien vous dire avant d'accrocher au nez parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'exister. Mais tu ne seras jamais star. Tu seras que star de porno. Tu as demandé que les gens t'appellent, maman. Mais non, parce que c'est une personne qui a mon numéro de téléphone. Mmh. Hey, mon Dieu. Mais oui. Tu vas commencer à dormir un peu, ça va faire du bien. Mais oui, là maintenant, il faut commencer à travailler, s'il te plaît. Après, j'ai besoin de. Mmh. Tu vas appeler moi, j'ai dormi aussi. Mmh. Non, ah.
On va mettre Emmanuel Macron, le Tarzan du zoo. Bienvenue Emmanuel Macron est dans le zoo. On va le mettre Tarzan. Parce que lui, il sauve tout le monde. Ouais. Ouais, ouais. Et pour ce que... On dit que... Bonsoir, Mathilde Bronx. Comment mon jam, wom. Naya, nia. Bouton. Non. Non, mais ce n'est pas tous les jours que je suis méchante. Hein. Ce n'est pas tous les jours que je casse le cou aux gens. Non, il y a les jours que je suis gentil aussi. Hein. Donc, je veux casser le cou. Pourquoi? Tu ne m'as rien fait. Je casse le cou. Je casse le cou. Pourquoi? Ce n'est pas tous les jours que je casse le cou. Dans un gouvernement, il faut bien les opposants aussi, parfois. On est d'accord? Mais quand les opposants sont allés trop durs avec moi, là, quand ils font ma tête comme ça, là, c'est pour bloquer les gens, c'est tout. Oui, c'est moi, mon nom que j'aime. Il y avait deux bouteilles, il y a une autre bouteille qu'on a jetée. Mmh. C'est quoi? Tu n'aimes pas de la... Non, c'est pas ça. C'est quoi? Ok. Quand tu es venu, si tu es venu, c'est avec quoi? Non, c'est pas... Tu trouves l'eau glacée, il faut déjà dire merci Dieu. Tu as vu l'invitation qui est envoyée? L'invitation de quoi? On fait. Et quoi? Résistance, ils font les fêtes, on immobilise le pain. Ils t'ont envoyé l'invitation. Résistance de quoi? Association résistante de Paris. Non, moi je ne veux plus entendre l'association. Non, c'est pas que tu viens à la fête. Non. Je ne veux plus entrer pas dans vos choses-là. J'ai déjà tout. Non. J'ai mes choses que je dois faire maintenant avec beaucoup d'autres personnes. Tu es venu pour me faire quelque chose, non? Il faut d'abord qu'on fasse ça. Moi, les tontines de Paris, la maman, je préfère manger mon... Garder mes 50 euros dans mon tapis. Je ne suis plus moi dedans. Bon, là, je suis en direct, là, tu sais très bien. Non, on ne vient pas parler de choses comme ça ici. Emmanuel Macron, c'est le Tarzan du zoo. Non, là, on parle. Il n'y a pas Jack Bauer au zoo. Est-ce que Jack Bauer est au zoo, ma chérie? C'est le Tarzan. Oui, je l'ai perçu. La page de qui? C'est à la maison. La page de qui, là? Non, je ne bloque pas les gens aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais vous voulez savoir qui c'est? Maman, dis Cambido, tu viens chez moi commenter depuis quand tu ne m'aimes pas? Les aînés sont là, pendant aller chez vous. Mais moi, c'est qui parle? Il va savoir, non? Comme toi là, tu dormais, il ronfle déjà alors qu'il n'a pas encore gnasse. Par contre, il serait pour eux, ça tourne toujours autour des gnasses alors que. Quoi? On t'a entendu. Tiens, j'ai déjà dit que maintenant vous croyez que c'est comme ça. Il faut m'oublier aussi. Donc je ne m'oublie pas. Hein. Non, il ne veut pas mettre les cœurs. Laisse-le là. Il veut qu'on on bloque le compte. Ouais. Ici, c'est que Nias. Quand quelqu'un parle là à côté, Nias, c'est comment? Nous, on fait des choses ici. On vous a dit que tout c'est la Nias. J'ai besoin de sortir les documents et tout. Il faut faire ça sur Internet. Il est venu m'aider. Il pensait que tu veux m'oublier. Que je veux m'oublier avec toi. Hey, moi, j'ai mis c'est mon frère. Oh. Mon frère du cœur. Pasteur, fais-nous l'église. Fais-nous l'église. Non, pas l'église, s'il te plaît. Allez, ils seront contents si tu parles un peu de l'église. Dieu a dit que quoi? Aimez-vous. Parlez bien de... Mais tu fais souvent l'église. Vous connaissez mon ami qui fait souvent les églises ici. Hein? Pasteur. Notre pasteur, c'est notre pasteur qui vient m'aider ici. Est-ce que je faut qu'avec le pasteur, vous aussi? Parle des bonnes choses. Oh, allez. On a bu la bière là. On boit la bière, on parle de Dieu en même temps. Il faut respecter. Hein? Que quoi? On ne boit pas la bière. Et le vin qui boit à l'église tous les jours, c'est le sang de Jésus. Que les gens boivent le vin rouge, le sang de Jésus, c'est ça, oui. Alors, mon frère. Kao Fatoumata, c'est comment ma soeur? Le fameux pasteur, la dernière fois là. Il a dit que la messe, notre pasteur qui est là.
Ah, Mathilde, merci pour le cœur, ma soeur. Attends, le pasteur est en train de nous préparer un petit cocktail. Il va nous bénir avant de se coucher. Vous savez pas que, vous savez pas qu'avant, je faisais souvent l'église tous les jeudis, hein. Une église. Une église qui était contradictoire avec Dieu. Dans les chambres. Tu sais, le mot qu'on dit souvent que. C'est le mot qu'on a fait, qu'on dit souvent que. Ce que Dieu fait est bon. Tu dis que quoi? Tu as tout, tu as tout. Ce que Dieu fait, on t'enlève tout ça. Ce que Dieu fait est bon. C'est pour ça que je suis en train de me montrer ce que Dieu fait est bon. Parce que je suis. Mais attends. Tu étais dans une église tous les jeudis, quoi. Non, moi, j'avais créé mon église ici. Et c'est une église qui était contradictoire avec la Bible. Donc, c'était une église que. On parlait bien de Dieu, après on n'était plus d'accord avec Dieu. C'était une église que les gens. Et les gens étaient à l'église. Hein. Oui, les gens étaient à l'église tous les jeudis. Oui, église Sainte-Veuve. Oui, c'était l'église Sainte-Veuve joyeuse. L'indiquer. Ça lit les Bibles. On lit bien quelque chose. Après, je contredis encore la Bible. C'est que les gens disaient que. Mais ça ne s'empêche pas d'être là à l'église. Hein. Ce que. Il y avait un mot, c'est. Ta mère même. Hey, maman, ce que Dieu fait bon. Que quoi? Tu perds ta mère. Ça te fait mal que quelqu'un ait écrit que ce que Dieu fait bon. Yeah. Non, c'est bon, hein. Hey. Non, 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 avec moi, ce n'est pas ça. Moi, je te contredis. Est-ce que. Dieu a dit que. Qui a écrit la Bible? Ce n'est pas l'être humain qui a écrit la Bible. L'être humain écrit la Bible avec ses lois. C'est ça. Je suis obligé d'aller à l'église. Moi, je vais à l'église quand il faut. Mais, tu vois, un dimanche matin où je dois fumer mon cou ici, ou taper mon débat, avec mes boissons, je vais aller à l'église pour faire quoi à l'église? Tu vois? J'achète ma bougie, j'allume ici à la maison. Oh, wow. Ah, dis donc. Chaque personne prie Dieu dans son Dieu habite dans le cœur de tout le monde. Ce n'est pas parce que tu vas aller à l'église tous les dimanches que Dieu va te voir et qu'il va t'aider. Non, tu peux prier chez toi. Moi, regardez ici. C'est moi. Moi, j'ai ma Sainte Vierge Marie. Je vous avais expliqué. Vous connaissez mon tout là, hein? Voici mon hôtel ici chez moi. Ce sont mes Bibles. Voici maman Marie, mon Sainte Rita. Il y a tout le monde qui est là. Il y a les. Je dis qu'il y a tout ici. Hein? Nous, on a tout ici. Tu prends ta part ici à la maison. Quand ça ne va pas, je réunis tous les tout là chez moi ici. J'allume la bougie et je prie. Je fais mon église et c'est tout. Mais oui. Hein? Mais oui, hé, hey, Mathilde, tu ne connais pas. Bon, alors là, toi, tu nous laisses à nous, on n'a plus besoin. Voilà, on te prend quand même parce qu'on a pitié de toi. Bon, allez, vas-y. Bah, mais parle-nous, qu'est-ce que tu veux? Tu t'ennuies? T'as pas pris une bonne dose? J'appelle Moussa. J'appelle Moussa pour toi? Écoutez, alors. Et franchement, tu es malheureux, hein? C'est qui, moi? Je connais qui c'est. Oui. Oui. Il faut tirer bien que ça. Il faut tirer bien parce que tu ne sais pas tirer. Hein. Tu ne sais pas bien tirer dans le coulet hein, que tu tires là. Parce que moi, il faut, quand je tire, pour moi, arrive jusqu'à aider hein, à s'envoler. Une fois. Parce que toi, tu hésites en train de tirer ta cocaïne. Tu hésites. Tu t'ennuies. Il faut souvent bien tirer. Hein. Parce que vous l'amusez. Une dangereuse, vous parlez comme moi. Moi, je tire que ça, comme ça. Oh, yeah. Et il t'appelle que c'est votre dangereux. Parce qu'il tire. Moi, je prends comme Formule 1. Ferrari. Mouf. Je fais comme ça. Tu ne. Vite fait bien, tout le monde est content. Moi, je ne tire pas que. Moi, je fais comme ça. Un saut d'abîme. Mais c'est ça. Vous tirez, vous prenez le temps pour tirer d'un coup. On ne tire pas d'un coup. Comme ça, je vous apprends. Tu mets la ligne. Comme ça. C'est ma foufou qui vous apprend. Hein. Tu tires ça vite, comme ça te tape une fois. Tu tires comme ça. Professionnel, d'un coup. Tu attends, imbécile. Parce que là,
il tire là, il hésite encore, il hésite en train de tirer. Il fait regarder que tu tires un peu, comme un débutant. Il tire un peu, il s'arrête, il tire, il s'arrête. Moi, c'est rallye. Le rallye. Les gars, il fait comme ça. Tu ne sais même pas comment j'ai fait, c'est fini depuis. Vu que tu es bien fait, tout le monde est content, tu es petit dans ça. Tu t'ennuies, hein? Ouais. Tu me donnes une bonne ligne, là, qui change ma vie ce soir. Salope, va. Vous vous ennuyez, hein? Quand vous tirez, vous... Moi, j'ai fait le rallye avec la Ferrari. Oh, ouais. ce genre de vent. Michael Schumacher, hein? Parce qu'il est toujours champion. Il est mort, il est toujours vivant. Il est mort, il est où? Ferrari, Michael Schumacher. Tu es encore en train de faire que tu es encore dans la BMW des Porsche. Tu y es arrivé depuis. Et je te regarde comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Allez faire vos jeux là avec les enfants. Je ne suis pas ton enfant. Ne m'appelle plus jamais. Tu m'appelles là. J'appelle la police. J'envoie ce numéro à la police. On va te retrouver. Imbécile. Nous, on parle les vraies choses. Si tu veux parler les. Tu es dans. Je joue de la Champions League avec toi. Hein? Tu parles à qui? Moi, je suis dans. Je dis que moi, je suis Champions League. Tu ne peux pas jouer avec moi. Toi, tu es dans les BMW, les Porsche. Moi, je suis la Ferrari. Oui, monsieur, il y a devant. Et regarde. Tu as compris. Professionnel. Ah, bien fait, vite fait. Tout le monde est content. Et je fume ma cigarette. Vous comprenez, non? Si vous croyez que vous allez venir me faire vos petites choses dans la question d'enfant, je ne regrette rien dans ma vie. Je fais de ma vie ce que je veux. Allez faire vos vies. Nous, on parle de nos choses. L'église, c'est être joyeux ici. D'ailleurs, même demain, je suis à l'église. Moi, je vais mon église demain. Hein. Ah bon? Oui, l'église ouvre demain parce que l'église a duré sans. Comme on était au Covid, non, il n'y avait pas les membres à l'église. L'église était fermée. C'était le confinement. Comme on était au confinement et tout ça. On a déconfiné et tout ça. Non, on va retourner. Demain, on est à l'église. Je vais vous apprendre les vraies choses à l'église. Notre église ouvre demain. À 11h, chapcha mon étam. On va à l'église. Vous comprenez? Bon, mes warriors, j'espère qu'on a passé une bonne soirée parce que moi aussi, là, je vais manger. Parce que je veux que ce monsieur m'aide à travailler pour mon dossier. Tant que mon dossier ne sera pas prêt, je ne serai pas heureuse. Donc, ne vous inquiétez pas. Demain, avant d'aller travailler, on va d'abord venir, on va d'abord s'arrêter à l'église Sainte-Veuve Joyeuse. Mais, tu crois que je manque, j'avais l'église à Facebook? Une église que le bon pasteur qui est là-bas, non? Le pasteur. On a un pasteur. Non, on a un pasteur dans notre église. Un pasteur génial. Il a demandé que. Et puis les gens ont demandé. Hein. Ah ouais. Après, tout le monde dit, mais la veuve joyeuse n'est plus l'église. Il est où est le pasteur? Elle dit que. Oui, il va booster mes pages et tout ça, ouais. Elle dit que, mais où est l'église? Elle dit que. Où le gars le pasteur? On t'avait aimé, hein. Fais-nous quand même un petit verset, après je vais dire au revoir. Lis-nous un petit verset, s'il te plaît. Je vous lis un verset ce soir. Parle pas autrement, tu as tout mangé. Hein. Que là, maintenant, je vous lis un verset ce soir. Tu es dans la chambre. Pas la haute voix du tout. Ouais. Ouais, lis un verset. Alors, le verset est tiré du livre de. Non, je ne te mets pas les mains sur ma côté, ils attendent mieux. Non. Voilà. Alors, le verset ce soir est tiré du livre d'Apocalypse, chapitre 8, verset 21. Apocalypse. Qui dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? Alors, à quoi sert-il? On a l'église. Parle. Mon Dieu, pas là. J'ai tellement mangé que même ma voix ne va plus passer. Non, parle. Alors, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? Le verset nous dit ce soir de nous préparer car le monde traverse des moments si difficiles. Et le monde traversera encore des moments autant difficiles. Aimons-nous les uns les autres. Ne nous détestons pas.
ne nous haïssons pas, parce que le monde est rempli de timides. Mon frère, ma soeur, pourquoi haïr ton frère? Pourquoi haïr ta soeur? Parce que tu l'as vu progresser. Pourquoi quand ta soeur porte un nouveau vêtement, tu es jaloux? Pourquoi quand ton frère achète une nouvelle voiture, tu es jalouse? Ma soeur, sache que le monde est rempli de vanité. Parlez bien, ne parlez pas de vanité. Aimons-nous. Autant côté. Aimons-nous. Vous devez parler des choses là. Parlez bien. Aimons-nous les uns les autres. Car un jour, ce monde viendra. Amen. 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 Restons dans l'amour. L'amour surpasse toutes choses. L'amour accepte tout. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. L'amour, elle est sans rancune. Amen. L'amour, ma soeur, si tu aimes, tu dois être patient. Comme moi. Tu dois être tolérant. Tu dois être bienveillant. Amen. Voilà. L'une des choses que nous devons cultiver en nous, c'est l'amour. Parce que l'amour, il surpasse toutes choses. Mm-hmm. L'amour, il couvre une multitude de fautes. L'amour, il couvre une multitude d'erreurs. Pourquoi haïr ton frère? Pourquoi haïr ta soeur? Pourquoi détester ton frère? Pourquoi détester ta soeur? Arrêtons ces choses. Elle ne nous mène nulle part. Elle ne nous amène nulle part. Aimons-nous. Aimons-nous. Aimons-nous les uns les autres. Si ton frère a une erreur, au lieu d'aller commencer à raconter une multitude de choses sur lui, rentre vers ton frère et dis-lui, mon frère, ma soeur, voici, je ne suis pas content. Pourquoi tuer ton frère dans ton cœur? Pourquoi détester ta soeur? Il y en a tellement qui ont déjà créé les tombes dans leur cœur. Amen. Il y en a qui ont déjà créé des cimetières dans leur vie parce qu'ils détestent tel ou tel, parce qu'ils haïssent tel ou tel. Nous devons arrêter ces choses. Nous devons arrêter ces choses. Parlez bien, hein, pasteur. Ne parlez pas des choses comme tu veux parler là. Hein. Si tu abattes, ce n'est pas moi que tu commandes d'église là, sinon on arrête d'église. Hein. Parle. Nous devons arrêter ces choses. Aimons-nous. Ayons en nous le fruit de l'esprit. Il y a tellement de fruits de l'esprit. C'est amen. Quoi, les fruits de l'esprit? Amen. Les fruits de l'esprit, c'est la tolérance, la tempérance, l'amour. Aimons-nous. Soyons tolérants. Soyons tempérants. Soyons. Je sais pas que les gens disent que quoi. Soyons vraiment généreux. Mais comme moi, n'est-ce pas que tu as mangé le tilapia là et tu as vu la belle, n'est-ce pas que tu es généreuse? Continue. En vérité, je vous le dis, il est écrit. Je vous le dis, hein, parce que vraiment, ce que je vous le dis, si tu as les oreilles pour entendre, que tu entends, parce que il sera facile à un homme plein d'amour d'accéder auprès de Dieu qu'un homme rempli de richesses, de plein, de tout ce que ce monde pourra l'offrir. Amen. C'est pourquoi le message de ce soir, c'est pourquoi ce que je voulais ce soir, c'est l'amour. Nous devons nous aimer. Si tu aimes ton frère, tu vas tolérer son caractère. Si tu aimes ton frère, tu vas couvrir ses multitudes de fautes. Si tu aimes ton frère,
tu vas être tempérant vis-à-vis de lui. Amen. Si tu aimes ton frère, tu sauras le conseiller. Arrêtons de tuer les gens. Arrêtons de créer des cimetières dans nos cœurs. Arrêtons de créer arrêtons d'être jaloux. Arrêtons d'être méchants. Mes frères et sœurs, ça je vous le dis, il n'y a rien qui dépasse l'amour. Il n'y a rien qui dépasse l'amour. Si tu aimes, tu verras que toi personnellement, non seulement tu auras la paix du cœur, mais aussi tu auras ce qu'on appelle une longue et heureuse vie. L'amour. L'amour, 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 l'amour. Que c'est beau l'amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est on chante grand. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Comment il est. Il est si grand. Il est si large. Alléluia. Amen. Bah Dieu, bah le bon Dieu attend des gens qui sont heureux. Nous on est heureux, on est souriant et tout. Ah, écoute, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ah ouais. Afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu dit aussi que heureux ceux qui croient sans voir, comme la Bible joyeuse. Exactement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que si toi et moi, nous croyons à lui, que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Quel était l'acte de Dieu? Si nous analysons, si nous faisons ce qu'on appelle un contexte d'analyse simple, avec ce qu'on appelle un béaba, avec ce qu'on appelle une analyse thématique de comment on nous a appris à l'école, on verra que la première chose qui a été résolue par Dieu, c'est l'amour. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, il n'allait pas envoyer son Fils unique. Venir mourir sur la croix pour toi et moi. Il nous a aimés, il n'a pas pensé à nos faiblesses, il n'a pas pensé à nos erreurs, il n'a pas pensé à nos lacunes, mais il est venu mourir afin que si toi et moi, nous croyons à lui, que nous ayons la vie éternelle. C'est une manifestation d'amour. Et en retour, il nous demande, il ne veut pas de notre argent, il ne veut pas de nos biens, mais il nous demande en retour de nous aimer. Il nous demande en retour d'être patient entre nous. Il nous demande en retour d'être tolérant entre nous. Il nous demande en retour d'arrêter la sorcellerie entre nous, arrêter les empoisonnements, toutes sortes de choses que nous faisons, nous nous connaissons. Tu penses que Dieu ne te connaît pas, il te connaît, il voit ton cœur, il voit tes actes, mais le jour viendra qu'il mettra fin à toutes ces choses. Aimons-nous. Ça, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. C'est mon message pour vous ce soir. C'est mon petit message pour vous. Prenez-le et que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Aimons-nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Donc, notre pasteur vous a béni, non? Donc, mes warriors, on va se dire à demain. L'église, tu es là demain, non? Mais attends, moi, je te lâche pas. Hein. Moi, je te dis, hein, parce que là, j'ai des choses à faire. Donc, je vous embrasse, mes warriors, portez-vous bien. Et puis, bah, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Et si merveilleux, oh, quel amour. Bonne nuit, Dazrovia. Je croyais que l'engagement est facile. Parfois, il faut qu'un esprit vienne prier ici. Parce que l'engagement n'est pas facile, vous m'en parlez. Vous, quoi? Vous ne voyez pas les mauvais esprits qui appellent l'engagement. Qui font les gestes. Quelqu'un appelle un peu le baiser. Il t'appelle pour que tu comprennes. Oh, j'ai besoin de ça.
Quand j'écarte ma paix, c'est qui est là pour voir. Les cris des sacs. Wow, wow, prends-moi vite, j'arrive, j'arrive. Oh, me voici, j'arrive. Je suis à côté. Bon. Je sais que ce n'est pas bon quand on se sépare, mais on doit se séparer parce qu'il y a des choses à faire. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Est si merveilleux, l'amour de Dieu. Est si merveilleux, oh, quel amour. Victoria Vasquez, merci pour tout, ma chérie. À demain, 11h, tout le monde à l'église. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, 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 alléluia, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, aime ton frère. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il est mon sauveur. Amen. C'est lui mon protecteur. Amen. Alléluia. Amen, amen, alléluia, amen. Il t'aime mon frère, amen. Il t'aime ma sœur, amen. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Donne-lui ton cœur, amen. Donne-lui ta vie, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia. Amen. Yes! Bonne nuit, Warriors. On garde rien de tout. On fait comment? À demain, les Warriors, 11h, l'église repart. L'église Sainte-Veuve joyeuse. Vous n'avez pas oublié notre église, hein, tous les jeudis. Non, je n'ai pas réussi très jeudi. Je ne crois pas. Salut. Bonne nuit, Warriors. Bonne nuit.